Je vais passer des secondes à passer de temps. Tu veux jouer. Et c'est parti pour GTA San Andreas. Ah, la télé de Chavien fait encore son Fireslav. Et fait voilà. Encore son coup. Et ouais, c'est parti pour un vidéo noir et blanc de GTA Grand Theft Auto San Andreas, sorti en 2005. C'est un des jeux les plus marquants de la PlayStation 2. On va en parler plus tard. Le chargement est sympathique. Voilà. Alors on va baisser un petit peu parce qu'on nous entend pas, nous. Les commentateurs de gosses. Alors voilà, l'introduction présente des personnages qui sont réellement dans le jeu. Le successeur de San Andreas, c'est bien sûr GTA 4. Sauf que GTA 4, c'était sur PS3 et GTA San Andreas sur PlayStation 2. Xbox et PC. Pour les joueurs de GameCube, eh ben, il n'y est pas. Désolé. Il n'y avait pas de GTA de toute façon sur GameCube. Non. Oh. Et voilà. Et voilà, on va faire bouger un petit cow-boy. Alors. Alors, il y a plein de possibilités dans le GTA San Andreas. Vous pouvez habiller votre personnage, vous pouvez lui faire couper les tifs. Plein de choses comme ça. Alors voilà, regarde à droite, il y a le jetpack. À la gauche. À gauche, pardon, il y a le jetpack, et en voilà, tu peux voler. Crois. Et tu vas essayer de visiter un peu partout, comme ça. Et c'est à l'infini, il y a toujours... Oui, oui. Toujours voler. Bon, le jeu, franchement, pour la PS2, c'est plutôt beau. C'est très beau. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Franchement, il y a des textures vraiment moches. Ouais, comme les palmes, c'est les mains. Les mains sont faites comme des palmes. C'est un voilà. peu pour... Je vais te demander d'atterrir là. Alors voilà le jetpack qui témoigne du fun de San Andreas. San Andreas c'est un jeu fun avec plein de mystères comme le Yeti, plein de choses comme ça, des sacs de poubelle avec des corps dedans. Alors fait triangle. Il n'y a pas de voiture. Et essaye de voler une voiture. On va aussi voir comment t'appelles ça déjà quand tu te prends une voiture. La gestion des collisions. Eh oui, voilà. La gestion qui est très mal faite. Mais bon, on est sur PS2 en même temps. Alors voilà. Non, pour une moto, ça fera rien. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Alors, on prend une moto et on va essayer d'aller en ville. Si on y arrive. Alors, fais start, s'il te plaît, Oliver Plasma. Alors, voici la carte de GTA San Andreas, qui est la plus grande des GTA. Elle est grande, elle est diversifiée, il y a de la montagne, il y a de la campagne, il y a du désert, c'est une super carte avec trois villes. Tout en haut à droite, c'est Las Venturas, qui est une réplique de Las Vegas. En bas à droite, c'est Los Santos, une réplique de Hollywood, de Los Angeles. Et à gauche, c'est San Fierro, une réplique de San Francisco. Alors tu vas essayer d'aller à la ville de Las Vegas à droite. Voilà, tourne là. Alors on est où nous? On est là. Ouais. Bon on va mettre 2 heures, je vais faire un peu. Bah vas-y. Alors regarde Oliver. Ouais. Alors comme dans tous les GTA on peut accéder à la quête et on peut mettre un petit marqueur pour aller dans la ville. Alors là on va aller. Et on peut le voir de loin, c'est ça? Ouais. Oui. Une luminosité de loin. Et là on va aller dans la ville. Se repérer pour pas être paumé. Hop, et là c'est le désert, on est dans le désert et on va ici. C'est le petit marqueur rouge. Hein. On va aller dans la ville de Las Vegas, vous allez voir un peu comment sont les villes. Sur la carte, j'ai cru que c'était une grosse lumière rouge là. Donc... Si. Ah oui mais non. Oula, c'est un peu galère là. On peut conduire des motos, des tracteurs, des voitures, on peut tout conduire dans GTA San Andreas. On peut se prendre pour un agriculteur, un vieux paysan, comme pour une racaille. On peut se prendre pour un peu tout le monde. La racaille des cow-boys. Alors les voitures sont très carrées, elles sont très mal faites, et elles avancent bizarrement des fois même. Et voilà. Les motos sont plutôt pas mal, je trouve. Ça va. Alors tu vas essayer de tuer quelqu'un. Ça va être intéressant à voir. Alors voilà. Comment et il y a pas mal de lieux qui sont accessibles dans ce GTA San Andreas, comme le coiffeur, le restaurant, vous pouvez promener votre copine. Alors l'histoire, personnellement, je l'ai fini. Ah, déjà une étoile. On tape une personne, on a une étoile. C'est incroyable. Ouh là là. Flic, attention. Et même le flic a défoncé le vacancier.
Ah oui, on a vraiment envie de défoncer des Et vous raccourcis. voyez que c'est très mal fait. Ils sont vraiment transportés loin quand vous les frappez. Alors les flics sont faciles à battre. Hein. Alors pour verrouiller, tu sais où c'est. Hein. Merde, c'est pas ça. Par rapport à GTA 4, les flics sont très faciles à battre. Ah, pistolet. Merde. Comment on... Ouais bon, on verrouille pas, c'est pas grave. On fonce dans le tas. Oh voilà, j'ai dû faire verrouillage manuel, c'est pour ça que t'arrives pas trop. Parce que je suis un pro moi personnellement. Oh, je vais prendre un peu la manette pour Eh me oui. réhabituer à ce GTA San Andreas. Alors, on va voir tout de suite la collision des bagnoles, si j'en trouve. Oh, on Bon, peut ça va quand conduire même, des elles sont camions. bien faites pour l'époque. Hein. Alors, pas si... Regardez comment il court. Voilà, les collisions sont mal faites. Voilà, je verrouille et je tire. Alors, vous avez commenté un peu, Oliver, ce jeu. Bon, les collisions sont vraiment un peu à chier. Hein. Quand on se fait toucher par une bagnole, bah, je sais pas, mais il fait comme s'il était aplati, pourtant il sait pas aplatir. Simplement, je sais pas, un peu poussé, mais pas aplatir. Donc c'est un peu bizarre, ça. Voilà. Sinon, il y a beaucoup de choix dans ce jeu. Il en a plus que dans GTA 4. Vous voulez dire un peu plus de fun, quoi, un peu De plus de choix de choix. véhicule. Oui, de choix de Oui, il y véhicule. a du fun dans ce GTA. Et ce GTA est-il plus grand que GTA 4? Oui, Trailer la flop. carte est beaucoup plus grande que dans GTA 4. Et dans GTA Vice City, bien sûr, si vous connaissez. Alors, ce GTA, bien sûr, c'est l'histoire d'un bandit D'un qui cow-boy. retourne chez lui à Los Santos pour la mort de sa mère. Alors, faut qu'il sauve son gang en fait, dirigé par son frère aussi. Et le scénario est vraiment très prenant. Vous pouvez même diriger un gang dans ce GTA. Alors, j'ai bien peur de me faire tuer. Et si on peut jouer à deux, on peut jouer à deux dans ce GTA. Ah Et oui, quand on joue à on... deux, on peut diriger une stripteaseuse. Ou Tout à aussi. fait, tout à fait. On peut même s'emballer Ou sur les aussi un lèvres. pépé ou un gros lard. Ouais. Des trucs comme ça, quoi. Alors j'aimerais bien vous faire voir un peu les avions. Alors là on est à l'hôpital. Alors c'est mon GTA préféré personnellement. Alors vous voyez, il y a une boutique de frein, on va pas y aller. Je rappelle que ce GTA San Andreas sera fait en deux parties. Parce qu'on a plein de choses à voir. Alors, je vais piquer la moto du flic. Il y a des flics à moto dans ce La jeu. caméra est-elle bonne dans ce jeu? Assez, oui, il n'y a pas beaucoup de bugs de caméra. Généralement, ça fixe bien. Par contre, il y a pas mal de bugs au niveau de la collision, comme vous avez vu. Ou... Oui. On en parle tout le temps de la collision, mais Alors, c'est j'aimerais pas bien vraiment aller à assez important. l'aéroport. Alors, j'ai pas envie trop de faire un code. Sur jeuxvideo.com, ils ont un peu exagéré la note quand même pour les graphismes, hein. C'est pas non plus incroyable pour de la PS2. Les graphismes ont 14 sur 20. Ah, Moi, même je truc. dirais qu'ils ont 14 sur 20 aussi. Ça reflète complètement GTA San Andreas, qui est plus axé fun que réalité. Oh putain. Alors, vous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de bugs de caméra. Eh bien là il y en a. Eh ben, il y en a quand même un peu. Bah, de toute façon, comme tout presque tous les jeux en 3D, on a des bugs de caméra. Sinon c'est vraiment bien foutu la caméra, mais c'est vraiment dur quand même de se faire une bonne caméra en 3D. Voilà, et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de ce vidéo test de GTA San Andreas. À la revoyure! Bah, à tout à l'heure.